Om Shanti. Om Shanti. If we have feelings of cooperation, si nous avons des sentiments de coopération et que je coopère ainsi, on inspire les autres à coopérer. This morning, I was remembering the slogan. Ce moment, ce matin, je me rappelais du slogan. If you are sayogi, et Baba disait, si tu es sayogi, yogi, peux devenir sage yogi, un yogi facile. This morning, I was thinking and kind of working on that to see how sayog can make sahaj yog. Comment sayog peut devenir sahaj yog? So little things, if we cooperate, if we give sayog, si on coopère, si on donne sayog, on peut à ce moment-là devenir sahaj yogi. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a plusieurs âmes qui sont inspirés si j'offre sayog, la coopération. Elles veulent aider, par exemple. Certains veulent aider de façon financière ou physique ou faire du karma yoga simplement. Quand les personnes qui sont près du centre et qui savent qu'on fait du bénévolat, qu'on n'est pas payé, je me souviens que certains frères, à l'hiver, quand ils commençaient à pelleter la neige, certains frères venaient tout simplement pour aider. Ces profonds sentiments de coopération, j'ai dit toujours aux autres, tu trouves certains enfants faisant faire des choses comme cuisiner, faire la nettoyer. Tu peux poser la question, as-tu besoin d'aide? Ou simplement les regarder avec un regard qui est un sentiment de vouloir les aider. À ce moment-là, il y a un sentiment de gratitude qui émerge. Mais s'ils sont en train de travailler et qu'on ne s'offre pas, on passe tout simplement. Elles n'ont pas les sentiments d'amour pour vous. Alors, toujours dans notre cœur, que si certains, quelqu'un d'autre coopère, n'importe qui, même ceux qui ne sont pas biqués, un jour, quand ils auront finalement la récompense de la coopération qu'ils donnent, ils recevront un jour la récompense de cette coopération. Et à ce moment-là, c'est possible que leur foi s'éveille et qu'ils disent, « Moi aussi, je veux devenir yogi. » Et je pense souvent que certaines âmes ne peuvent pas nécessairement être yogis, mais peuvent être sayogis, c'est-à-dire des êtres coopératifs. À Londres, dit Moini, il y avait une famille où le frère apportait il amenait son partenaire en classe quand il était prêt. Il la laissait au centre. Alors, un jour, Dadi Janki l'a appelé. Elle dit, je sais que tu viens la déposer. Est-ce que tu peux entrer pour 5 minutes? Et tu vas simplement aller dans la salle de Baba et tu n'es pas obligé de rester pour la connaissance. Alors, il rentrait les matins quand il l'a déposé.
Il allait dans la salle de papa et il a dit peut-être que, il a eu cette pensée, peut-être que je devrais rencontrer Daddy. Et Daddy, à ce moment-là, donnait toujours un tuli, un blessing. Mais un jour, Daddy a dit, est-ce que je peux simplement partager seulement un point avec toi, pas le murlu au complet, juste un point? Et il a dit OK. Alors, Daddy a partagé un seul point avec ce frère. Un point, et puis son intérêt a grandi. Et rapidement, il est devenu un étudiant qui venait le matin régulièrement. Probablement que vous avez déjà vu les enfants, un tout petit enfant. Quand un petit enfant goûte à quelque chose de nouveau, on donne un petit peu de, on met un petit peu de miel sur la cuillère et aussitôt que ça touche sa langue, c'est de très sucré et on voit dans son visage qu'il en veut plus. Ouais, c'est comme ça. Comment ne pas commencer à donner la connaissance? Dites-leur, prenez un cours ou laissez-les simplement entrer ou venir à l'intérieur. Les vibrations sont très paisibles dans la salle de papa, sont remplies de joie. Certains seront attirés pour venir et pour passer un peu de temps. Et ainsi, quand ils les verront dans la cuisine ou en train de travailler, peux-tu, est-ce que je peux faire quelque chose? Comment, en gardant ce but, hein, parce qu'on a besoin de quoi que ce soit, on a toujours les tâches de papa sont illimitées, mais personnellement, parfois, je n'ai pas besoin d'aucune aide. On n'a pas vraiment besoin d'aide. C'est la tâche de papa. Et si les gens coopèrent, ils vont recevoir beaucoup de récompenses. Et finalement, tranquillement, ils seront attirés vers papa. Et ensuite, c'est à ce moment-là qu'on parle du détail. Parce que d'abord, leur intellect doit être attiré vers papa. Et ensuite, ils deviennent des âmes yogis. Alors, Sahaya Yogi nous fait Sahaya Yogi, mais nous fait aussi coopérer. On inspire en coopérant. Une sœur qui aime offrir bogue. Alors, qu'elle vient et elle dit à sa fille, je vais au centre et je vais offrir bogue. Et tout le monde dans la famille, moi aussi, je veux donner quelque chose. Je veux aussi offrir bogue. Alors, j'ai quelque chose à offrir. Apporte-le. Et elle arrive. Et ceci est le bogue qui vient de toute la famille, puisque toute la famille a offert quelque chose à offrir à bogue. Donc, on va dire que les actions sont sincères avec la bhavna. Quand on fait quelque chose avec la bhavna, ça inspire les autres. Et quand il y a de l'amour, ben, il y a de la coopération aussi. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de coopération. Imaginez cinq doigts de la main. Chacun des doigts veut travailler séparément. Il n'y aura rien qui va s'accomplir. Mais quand les cinq doigts sont ensemble, les cinq sont différents. Chaque doigt a une force différente. Il y a des gens qui disaient, même le tout petit, il ne serait pas aussi fort que le pouce.
Mais quand ils sont ensemble, ils sont tous très forts. Ils sont forts lorsqu'ils sont tous ensemble. C'est une main. On dit, est-ce qu'on on dit à quelqu'un, est-ce que tu peux donner un doigt? On dit, non, ça va nous donner un coup de main. On va donner la main au complet, bien sûr. Et on dit, on ne donne pas seulement un coup de main, on donne les deux mains quand on donne un coup de main. Alors, la coopération, c'est d'être ensemble. Si chacun fait quelque chose ensemble, ça se fera très rapidement. Et j'aime quand il y a des événements, un programme, après le programme, on revient dans la cuisine, il y a toujours beaucoup de vaisselle, alors comme par exemple le jeudi. Et si tout le monde quitte, celui qui est en train de faire, celui qui est en train de préparer beau fera la vaisselle. Mais on dit, faisons la vaisselle tous ensemble. Peut-être quelque chose qu'elle aurait pris 2 heures à le faire et ça ne prendra que 20 minutes à plusieurs. Et c'est ce que je disais. On a tous eu Brahma Bhojan, alors tous mettons la main à la pâte et faisons tous la vaisselle. On a besoin de se préparer pour demain. Alors tout le monde donne un coup de main pour que tout soit fait rapidement. Alors cet amour, cette bhavna de coopération intérieure, cela crée une énergie dans l'atmosphère. Et ainsi, tous se sentent légers. Et on dit, faisons-le tous ensemble. Même si ce n'est pas votre tâche ce jour-là de faire la vaisselle, par exemple. C'est peut-être pas votre tâche ce jour-là, mais vous le faites. Et on donne un coup de main, même pour un petit moment, comme maintenant. Alors, quand il y a à l'intérieur de très bons, il y a de très bons sentiments qui émergent dans la famille quand il y a de la coopération. C'est des gens qui ne veulent pas le faire et ils ne sont pas là de toute façon. Alors, cette énergie que nous devons créer dans la coopération, ça vient directement de notre amour, de notre bhavna. Et quand il y a la coopération, il y a aussi de la paix. Parce que chacun se sent heureux et léger ensemble. Donc, c'est une paix intérieure qui est très importante. Comme une âme, parce que les relations de paix sont très importantes. Et la paix est très attirante. Quand il y a de la paix à la maison, tout le monde est soutenu et pris, on prend soin, on les nourrit. Il y a une famille, le couple disait, ils ne se sont jamais chicanés. Très polis l'un envers l'autre, ils avaient beaucoup d'aide l'un pour l'autre. Alors, si elle devait faire des courses, il la conduisait, il n'entrait pas nécessairement, mais il partageait la tâche. C'était un partage des tâches. Il conduisait et elle allait faire les courses. Et cette relation très paisible de coexistence, elle partageait l'un avec l'autre.
Parce que quand il n'y a pas de paix, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de pouvoir. Et quand il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de paix. C'est très, très lié. Moïni dit toujours que la paix, c'est le pouvoir. Un, c'est le pouvoir de la paix. Et l'autre, c'est le pouvoir, c'est la paix. Le pouvoir de la paix et la paix, c'est le pouvoir. Je me souviens quand on avait d'autres centres dans un autre endroit à New York, c'était un endroit bruyant. Mais on méditait, on faisait ce qu'on devait faire, tout ce qu'on avait à faire dans la maison de Baba. Et un jour, les policiers sont venus. On ne sait pas pourquoi ils étaient venus, mais on avait des chaises à l'extérieur de la salle de méditation. Ils se sont assis là. Et en s'assoyant, c'est très paisible ici. Qu'est-ce que vous faites ici? Et de façon surprenante, la bruit que qu'ils entendaient, habituellement, ils ne pouvaient pas l'entendre d'où, quand ils étaient. Nous n'avons rien entendu. Il dit, nous non plus. Les policiers ont dit, nous non plus, on n'entend pas, ça doit être vrai, il n'y a pas de bruit. Donc, cette atmosphère de paix a une puissance très, c'est très attirant et ça rend chacun paisible. Alors, quand on commence à donner les conférences, par exemple, même si on doit lire le Murli, je vais dans le silence, en paix, pendant quelques minutes, même avant de dire Om Shanti. Le mot Om Shanti est très puissant. Mais si vous dites Om Shanti de l'intérieur, quand vous êtes très paisible, ça a un grand impact. C'est ce que Baba a dit. Même si vous devez partager le drishti, dites simplement Om Shanti d'une manière sentie, pas seulement comme une salutation, mais créez la paix. Et ensuite, on dit Om Shanti. On crée d'abord la paix intérieure. Et quand on dit Om Shanti, ça donnera beaucoup d'expérience aux gens qui vont l'entendre. Alors, restez paisible. Parce que souvent, il y a beaucoup de provocations dans le monde extérieur. Mais on ne doit pas s'impliquer. On doit être une âme paisible. Ainsi, non seulement vous ressentirez le pouvoir de la paix, mais la paix en tant que pouvoir, dis-tu. Et utilisez ce pouvoir de la paix par le drishti, par les paroles, par votre présence. Parce que la paix, c'est quelque chose c'est une énergie qui ne crée pas d'insécurité. Tout le monde se sent en sécurité quand on est en paix. Sinon, quand il y a un peu de tumulte ou de bouleversement, les gens ne savent pas ce qui arrive et ils sont dans une insécurité. Mais se sentir stable à l'intérieur et en sécurité à l'intérieur, ça envoie des vibrations. Même en parlant avec quelqu'un, parlez avec paisiblement et voyez la magie des mots que vous utiliserez quand vous parlez avec la paix. Et vous allez vous dire, je suis paisible, mais demain, ce que vous pratiquez pour demain, c'est de porter plus attention. Om Shanti,
en vis-à-vis ou même au téléphone. Et quand vous écrirez votre bilan, vous allez vraiment sentir que cette paix que vous allez avoir expérimentée, même cet amour sera encore plus paisible. Même l'amour sera encore plus paisible. Alors pour demain, pratiquez le pouvoir de la paix. Om Shanti. Une pratique très simple. Je suis paisible, le drishti de la paix, des paroles de paix, et aussi un visage paisible. Je ressens l'amour pour exprimer le pouvoir de la paix. Om Shanti. Once upon a time, Brahma Baba decided to teach children the significance of godly laws in the field of service. Baba specifically talked about three very subtle laws that should be respected by every Brahmin soul. Never take law in your own hands. Brahma Baba used to say, "Sweet children, even in a physical world, when a crime is committed, the suspect is taken to the court. The judge decides his punishment. Similarly, if someone's old sanskar or action gives you sorrow, do not punish them with your harsh words or talk about their weakness to others and spoil the atmosphere. Instead, you can tell Shiv Baba and he will take the responsibility of cautioning them." Do not accept direct offerings from other Brahmin souls. Baba used to teach, "My sweet children, you all are the children of this godly clan. God is the bestower. How could you take anything from anyone when your father himself is the unlimited bestower? If the one giving it to you gives it to the yajna instead, that offering turns into a fortune for 21 births. And if you take it from the yajna, then instead of remembering the instrument soul, you would remember, 'I have been given this by God.'" Always give cooperation and regard to your instruments. Baba would further say, "Children, even if the instrument soul for a task or place is younger than you, they should be given a lot of regard and cooperation. To oppose your instruments, to resent, or to disregard their instructions is all part of devilish laws. If you think
that there is some negativity or waste merged into their task, then instead of pointing out their mistakes, you should continue to hold elevated feelings and good wishes for the task and the instrument soul. Brahma Baba was a living example for all the children. Baba had lot of love for Yajna Seva. Day and night, he just used to sing Seva, Seva, and Seva. Even with the support of an old body, Baba used to serve more than 18 hours a day. Many times, he would stay up at night to come up with different ways of service. He used to do all sorts of physical service, even at such an old age. Children would ask, Baba, why don't you take some rest? We will take care of the service. Baba would reply, No, my children. This Yajna Seva is extremely sweet and loving. It is very pleasing to my mind. To one who takes care of Shri Baba's Yajna, in return, the Yajna takes care of that soul. After night class, Baba used to ask children, Sweet children, is there anything I can do for you all? Is there any service for me? I am your obedient servant. Hearing these words, children's eyes would fill up with tears of love for Baba and the Yajna. In such a way, Baba used to inspire children for service and teach them the significance of godly laws. Om Shanti, Divine Family, Om Shanti Didi. It was such a beautiful story to hear Brahma Baba say, Do you have any service for me? That's so wonderful. It ties in very well with what you were sharing, Didi, about really being Sahayogi, being cooperative so that you can inspire everyone. And how it creates such beautiful feelings in the family when you are Sahayogi. So let's do our homework for tomorrow and then we will do our meditation. Love as power to restore peace. Baba's pure love is overflowing with what every soul seeks, perfect peace. Baba's pure love is overflowing with what every soul seeks, perfect peace. So let's do the meditation. This is a meditation on the power to cooperate by being merged in Baba's love. They say faith moves mountains. And we, Baba's children, say, love moves the world. On dit que Baba soulève les montagnes.
dis que Baba soulève les montagnes. L'amour transforme le monde. L'amour pour le soi et pour toutes les âmes du monde, pour Dieu et pour la tâche de Baba. Without agenda or attachment, sans attachement ou sans idée préconçue, l'amour devient notre pouvoir de la coopération. This love, et cet amour lève les montagnes de la souffrance et de la peine qui est dans le monde. Quand je coopère, je me souviens que je suis amour et que je suis aimé de Dieu. From Baba. Prendre le drishti de Baba. I discover love for the self. Je découvre l'amour pour le soi. And with this love, et grâce à cet amour, Sahayogi. Je deviens Sahayogi coopérative. Which makes me an easy yogi. Ce qui fait de moi un yogi facile. Et le Sahayog inspire aussi les autres. En ce moment, je comprends que le pouvoir de la coopération est une qualité éternelle à l'intérieur de moi. You trust yourself as you have a true and pure heart. Je me fais confiance parce que j'ai un cœur pur et vrai. Je fais la promesse de coopérer avec la famille divine. And therefore, ainsi, feelings within the family. Et en offrant de bons sentiments à la famille, Cela augmente mon amour pour Baba. You make yourself available to Baba. On se rend disponible à Baba. Il peut travailler à travers moi. Je partage mes bons sentiments, ma fortune, ma bonne fortune, et ma chance. Et mes bénédictions avec les autres et je progresse. Je vais de l'avant. Cette coopération aide aussi à me fondre dans l'amour de Baba. J'ai un amour profond pour la tâche de Baba. Et je laisse Baba toucher mon amour, ma compréhension sans penser trop. Je laisse Baba me toucher et je reçois sa coopération. Et ainsi, pouvoir l'aider dans sa tâche. Love for everyone. J'ai un amour spirituel pour chacun. With love and power. Avec l'amour et le pouvoir. You only focus on everyone's elevated qualities. Je focalise uniquement sur les qualités élevées de chacun. You unite with all your powers. And you gift these powers to everyone. J'harmonise tous mes pouvoirs et je les offre à tous. You realize love carries you on the journey. Je comprends que l'amour
me transporte sur ce pèlerinage du souvenir et l'amour est ma destination. Om Shanti.